Hey, 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 coucou mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade Challenge où on se retrouve en ce petit matin de jour d'automne où la pluie commence à tomber. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le robot réparateur a beaucoup de travail. Premier lever, Aaron. Alors, avant de manger du gâteau, mon petit, tu vas pouvoir aller prendre une douche puis manger. Ce sera très bien. On va lever Gaspard. Ah bah non, Gaspard, il est fatigué, donc il va continuer de dormir. T'es déjà levé, toi? Tu sais ce que tu vas me faire? Allez. Bah si t'es motivé, mon petit. En plus, je vais rajouter plein de trucs. Voilà, j'en ai rajouté deux ici. S'il s'ennuie, il aura de quoi faire. Ah bah alors, les morphales. Ça se bouffe du gâteau en folie, là. Non, Gaspard est décidément pas content d'aller en cours. Sinon, ma petite Emma, on va pouvoir te faire travailler, devenir une célébrité. Fou, comment on fait pour devenir une célébrité? Ouais, il faudrait que tu ailles chanter tout ça ailleurs, quoi, mais ça va être chiant. Je pense que ça va être long, surtout parce que j'ai pas très envie de bouger de la maison. Donc tu vas t'entraîner à chanter et puis on verra bien ce que tu feras. Wow! Alexander est maintenant une célébrité 2 étoiles. Il a gagné encore 70 000 abonnés d'un coup. Oh my god. Jalousie. Essayons de gagner l'un des défis de la convention geek. Allez, on va y aller en familia, même je dirais. Mathis, Emma et Alexander, parce que si les autres sont à l'école, donc forcément. Et on go pour la convention geek. Ouais, tout ce beau monde. Comment tu vas, Anaïs? Tu vas bien, ma jolie petite sœur. Et puis, tout le monde est venu avec, donc on va voir ce qu'on peut faire, si on peut rencontrer des gens. Oula. Eh ben, il y a du monde à cette convention geek, hein. Pas mal de nanas. Et il y en a, on connaît déjà, où elles sont toutes vieilles ou mariées, donc c'est chiant si on veut caser nos gosses, nous. Alors, Mathis a choisi de jouer. Voilà, on va voir s'il s'en sort. Alexander, qu'est-ce qu'il fait? Il se balade. Esther! Oh bah là, elle a décidé de goûter un peu ce qui se passe, d'accord, tout va bien. Et Emma, elle chante. Emma, elle essaie de gagner de la popularité. Bah elle s'en sort bien, franchement, hein. Elle chante bien maintenant, hein. Bon, du coup, je la fais chanter en plein festival, ça va peut-être la faire connaître comme ça. Et niveau 8 de la compétence chant, GG Emma. Ouais, une première fan. Alice Muller, merci beaucoup. Ouais, un deuxième fan. Attends, comment tu t'appelles? Nicolas Soto. Tu es quoi? Oh, tu es jeune adulte. T'as l'air un peu déprimé. Mais t'as pas l'air mal du tout. Hey, Emma. Va te présenter à ce jeune homme qui s'appelle comment déjà? Nicolas Soto. Ah, il est assis là, regarde. Ça va? Oh, franchement, il y a pire, hein? Allez, tu vas te présenter, je t'ai demandé. En plus, il a dit bonjour à ton frère et à ton père quand même. Alors, dis-nous tout, tu sais tout sur lui? Ah non, tu sais pas. Tu discutes un petit peu, ça pourrait être peut-être ton petit copain, parce que bon, il y en a aucun d'entre vous qui... Quoi? 108 000 abonnés d'un coup? Oh mon Dieu, Alexander, tu m'en donnes deux ou trois, s'il te plaît. Jalousie. Bref, donc, parce qu'ils ont pas de copains-copines tous, donc bon, autant discuter un petit peu, quoi. Oh bah tiens, qui c'est qu'on retrouve au bar? Notre très bonne, très belle Eva. Oh là là, ça y est, je confonds. Oh, t'as raison, va. Réconforte-le un peu. Oh, oups. D'accord. C'est vrai que les toilettes du futur, je les ai oubliées. Par contre, oh, t'es trop belle et t'es une jeune adulte. Bon bah, oui, t'as envie d'aller pisser, mais tu vas dire bonjour à cette jeune fille avant, hein? Cette jeune femme plutôt. On sait jamais, hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe ici? On croise des belles gens. Alors Mathis, c'est bon? Oh super! Super! Tu lui as parlé. Tu peux maintenant aller aux toilettes. Ça te fera du bien. Oh la galère. Bah tiens Emma, il est revenu. Bon bah moi je pense que on va pas chercher plus loin, hein, s'il faut les caser les quatre. Voilà, il y en a déjà deux, trois de casés même parce qu'il y a encore Gaspard et sa copine de son côté. Et je peux pas encore les mettre ensemble.
toy. Non, moi je dis ça pourrait faire. Ça pourrait grave le faire. Ils ont l'air de bien s'entendre les deux. Donc franchement, vas-y cocotte, hein, vas-y à fond. Hein. Il y a un concours de karaoké ce soir. Mais Emma, c'est fait pour toi. Allez, go. Chanter une chanson coco. Alors, bonne soirée. Allez, Emma, là tu vas tout déchirer. On a bien fait de venir, dis donc. Et ben voilà. En plus, j'ai bien choisi la chanson parce que c'est une que j'aime beaucoup. Alors. Bon, avec un niveau 8 de chant, je pense que Emma, elle va tout casser, quoi. Mais c'est qu'elle commence à avoir du public, dont ce petit jeune homme hein, qui s'appelle Nicolas. Ah, oh, GG Emma, punaise. Elle a 80 points sur 100 seulement. Mais c'est énorme, je suis sûre qu'elle va gagner. Non, toi tu gagneras pas mon gars, non. En plus t'es moche. Ta gueule, t'es moche. Ouais, elle a tenté un petit move là, regardez-moi ce petit cœur, ça a pris. C'est un coup de foudre les enfants. Un coup de foudre. Ah ben elle a gagné. Un score impressionnant de 80 sur 100. J'étais en train de me dire, elle est en train de draguer, mais oui, ça a l'air de prendre quand même. Donc c'est une très bonne chose. Oh non, Mathis est tombé dans les pommes avec ses fesses en l'air. Zut. Bon, on est rentré à la maison et on va s'occuper de chacun d'eux. Alors que les garçons, eux, sont tranquilles à la baraque. Et ils ont rien fait. Mon pauvre Mathis, je l'exploite à fond pour les trucs de mécanisme. Ça va, aujourd'hui, il a vu des gens et tout. Il a rencontré une belle jeune fille. Ça va, quoi. Je suis gentille. Hein. Ouais, mais en fait, Léa Dancho, là, elle est froide. Relou. Bon, ça va les jumeaux là? Vous avez fait quoi aujourd'hui? Vous avez glandé pendant que la famille était dehors? Moi, qui sont beaux. Et le Nicolas que Emma a rencontré déteste les enfants. Mais génial comme trait. Moi, oh, c'est mamie Hélène qui est sortie ce soir. Elle regarde la télé. Les nouvelles du monde. Ah, et Daichi aussi est sortie de sa tombe pour jouer aux jeux vidéo. Wesh, elle va devenir vieille, Esther. Ben non, ça va pas être possible là. Ah non, mais je m'en doutais ça qu'il allait me foutre le feu. Oh, bon sang. Mince! Mais oui! Mais cours! Vas-y, va t'éteindre dans le... Gaspard, ne meurs pas, je t'en prie! Voilà, bon, il était déjà éteint avant. Tout va bien! C'est pas possible! Bah écoute, t'as faim, tu peux manger ce que t'as... Ah, oui, bah non, tu peux éteindre ça avant en fait, s'il te plaît, ce serait cool. Oh non, mais t'as réveillé toute la baraque! T'es relou! Non, mais c'est bon, pouvez-vous retourner vous coucher, les deux Saint-Paul, là? Ah bah non! Ah bah non! Ils sont pavés! Et ils perdent pas le nord, hein, ils ont faim! Ah bah tiens, ah oui, il a foutu le feu! Non, mais c'est pas grave, il y a des poivrons saucisses qui sont prêts, donc on va tous se servir parce qu'on a tous faim. Non, mais n'importe quoi, il est 5h du matin, tout le monde est levé parce qu'il y a eu le feu, mais ils mangent tranquille. Mais qu'est-ce qu'ils font là, comme ça, eux? Ah oh bah tu peux les mettre sur les stations là, qu'on puisse les réparer. Oh, les fruits du dragon sont de sortie, Esther. Tu pourras venir tout vendre. Oh là là, et puis alors les abeilles, laisse tomber quoi. Hein, va falloir nouer des liens et récolter le miel. Les pauvres. Bah Emma, elle boit un coup le matin, tranquille, 7h30 du matin. Tu sais que tu pourras envoyer un petit message à Nicolas. Peut-être l'inviter après. Les petites abeilles, son petit miel pendant ce temps-là. Elles vont pouvoir, si elles veulent, aller voir les plantes à côté. Bah écoute, maintenant, c'est le pognon qui arrive, hein, les fruits du dragon. Merci Pierre-Nard. Mais, tu répares toi-même le... Ah bah d'accord, ok, mais elle est fabuleuse cette fille. Y'a déjà de la neige qui arrive. Cette blague. Cours Aaron, c'est l'heure de l'école. Oh, il a un petit style. C'est Nicolas qui est venu. Tu vas pouvoir lui dire bonjour. Alors son frère est en train de bosser en calbut derrière. Allez discuter ici dans la chambre. Je sais pas, je dis ça comme ça. Regardez-moi ça, je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas moi qui ai demandé de lui envoyer un baiser. Mais elle a quand même envie de le faire. Donc je pense qu'effectivement, ce petit Nicolas lui plaît pas mal. Mmh. Ça devient sérieux tout ça.
Oh, très sérieux. Oh, Emma. Mais qu'ils sont mignons. Ils deviennent petits amis? Oh, allez, Emma. Allez, Emma, il est temps pour toi de devenir une femme. Et voilà. Et mes feux des crapulades. En voilà une de casée. Enfin, la seule, du coup, parce qu'on n'a qu'une seule fille dans cette génération. Donc ça fait plaisir. Bon, pendant ce temps-là, Matisse, je lui octroie une sieste parce qu'il a très peu dormi. Et il travaille beaucoup. Bon, je sais pas trop. Je sais pas, ils me disent que ben les appareils électroniques ne fonctionnent pas sous la pluie. Ah si, par exemple. Ah bah si. Allez, bah tu vas me réparer celui-là. Comme ça, tu vas travailler un peu dessus, Matisse. Tu seras un amour. Oh là là! Mais qu'est-ce qui t'arrive, Aaron? Oh, il est dans sale état, dis donc. Oh, mon chou. Bon, bah en plus, t'es en tenue de bain ou je sais pas, donc tu vas me faire. Tu vas t'occuper de toi. Tandis que Emma est dans le bonheur et continue de chanter. Bon, alors, Esther, t'es toujours dans ta tenue dégueulasse. Tu vas te changer direct, moi je te le dis. Parce que là, c'est plus possible. Oh là là, je te retrouve. Oh là là, ça va être l'anniversaire d'Aaron! Et donc aussi, par extension, de Gaspard. Et ça me fait penser que Cocotte, Esther, faut pas qu'elle vieillisse. Donc tu vas me boire ton élixir de potion de jeunesse. Parce que je ne veux pas que tu deviennes une vieille peau. Allez! T'as rajeuni, ma belle. Ça se voit pas. Toujours aussi belle. Le petit hamster est toujours vivant. Je lui ai donné un truc de longévité, mais c'est un peu trop long à mon goût quand même. Wesh, non, mais en fait, les garçons, ils clignotent déjà là. Falloir faire les gâtales. Allez, ma belle Esther, faut faire les gâtales pour tes garçons. Bon, du coup, c'est un peu inutile que vous fassiez vos devoirs, mais bon, c'est pas grave. Allez, Matisse, on ne perd pas de vue la petite Léa. Faut discuter avec elle. Garder le contact. Bon, pour les garçons, je vais leur faire prendre un jour de congé pour le lendemain d'école. C'est juste comme ça, ils vont gagner à être responsables avec ça. Et on fêtera leur anniversaire. Oh, quel beau gâteau, ma tête terre. Tu mets les bougies, puis on les mettra au frais au frigo pour la nuit. Bah alors, vous êtes pas vieux et vous êtes déjà debout? Bon, je vais pas vous le cacher, on a encore du taf devant nous avant de fabriquer un cerveau, hein. Il manque beaucoup de pièces. Ah, ce bon vieux jardin. Avec des rosiers vieux de plus de 100 ans. Là, on est à 140 ans de rosiers. Vous imaginez un peu le délire? Une petite résolution, Aaron? Tu te mets au yoga? J'adore son look. Il est trop cool. Ah ouais, les filles se font un ping-pong. Comme ça, tranquille. Pourquoi pas? Bon, on va quand même faire l'anniversaire. Donc, Esther, si tu peux préparer à prendre. Non, on va servir le brunch. Et puis. Du toast avec des œufs, puis on va inviter. Bah, Eva, elle est déjà là. Bah, voyons. Ça m'étonne pas d'elle, hein. Hé, Matisse, Léa est là. Viens vite lui conter Fleurette. Alors que Gaspard reçoit sa petite Axelle. Bon, t'es enjôleur? Est-ce que ça a l'air de coller avec la demoiselle? Tu peux toujours. Bon, après, c'est vrai qu'elle est froide, donc je sais pas si ça a bien marché, hein. Mais on va tenter! Wesh! Bah non, en fait, hein, tu vas prendre le temps, en fait, hein, tu vas prendre le temps. La fiesta va pouvoir commencer, ils ont tous la classe, regardez-moi, Emma. Ah là là, mon Dieu, je suis fan. Bon, Eva, t'aurais pu t'habiller un peu mieux que ça, quand même, hein. Ouais, même le petit Pierre, il est venu. Le dernier garçon, enfin, le dernier enfant de Eva. Oh, il est trop choupi. Ah bah bravo, la cousine, elle a cassé. Bah bravo, hein, on va pas te remercier. Ouais, le robot festif, il est toujours en PLS, donc on peut pas trop l'utiliser. Donc on fera ce qu'on peut avec ce qu'on a, à l'ancienne. Ok, les sœurs de Saint-Paul sont là, mais en jogging, c'est logique. Happy birthday, Aaron! Oupla, c'est devenu un homme, un vrai. Il était geek aussi, et rat bibliothèque, et il sera 1, 2 et 3. Proche de sa famille, mais c'est tout kiki. Happy birthday Aaron! Et bien après, ça va être le tour de Gasparoun. Allez Gaspard, c'est ton tour de souffler les bougies. Et Aaron qui souffle ses bougies, c'est dans la poche aussi. Alors, il était actif et maladroit. Oh super! Et il sera 1, 2 et 3.
Oh bah ambitieux, allez ça passe, pour moi on est ok. Happy birthday aux jumeaux. Vous pouvez donc maintenant bouffer le gâtal puisqu'on sait que vous êtes tous venus pour ça. Et c'est fini, nous n'avons plus d'enfants dans cette maison que des adultes et des jeunes adultes, c'est beau. Regardez-moi cette petite fourmilière de tous ces Sims de la famille qui viennent pour le gâteau. Et ça, ouais, voilà. Ah, j'ai pas de place pour me prendre une part. Oh, j'ai pas de place pour me prendre une part. Pourtant, j'ai la dalle. Oh, oh, alors? Est-ce qu'elle se dit que la famille, elle aimerait bien en faire partie? Oui! Oui! Ça, c'est cool. Et à bienvenue. Et c'est une médaille d'or pour cet anniversaire. Le calme après la tempête. Ah bah alors ça, j'ai jamais vu. Une assiette volante bien en hauteur, c'est très logique. Et un niveau 9 de robotique pour Matisse. Quel homme. Oh non mon pauvre Matisse. Vous êtes déjà debout les vieux là. Enfin les vieux, ils sont plus si vieux que ça mais... Allez prendre votre douche en même temps, bande de coquins. Oh là là les coquins. Et voilà, hein. On me dit, bah, l'épisode finit pas sur un crac-crac, et là, il commence dès le matin, hein, voilà. Ben voilà, il peut enfin le réparer. 8 pièces de robot, c'est pas grave, j'en ai racheté. Tu peux y aller, tu le répares. Après, t'iras manger, hein. Bon, bah, ce matin, c'est à la cool, hein. Bah, Matisse, tu t'es encore pris un coup de jus, oh. Oh, elle est déjà arrivée, cool. Bah, tu vas pouvoir discuter avec elle et tenter peut-être une petite drague. Oh oh oh, tu lui plaisais mon coco. Ah là 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 là, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? En même temps, un beau gosse comme Gaspard, tu peux que craquer. Hein. Tiens tiens, il y a Léa aussi qui est là pour Matisse. Bon, échange amoureux, allez, premier baiser, Gaspard, vas-y, vas-y. Hein. Oh oui! Matisse, GG! Emballer, c'est peser! Ah là 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 là! C'est beau, cet amour! Vous n'allez pas faire un bébé, non, quand même? Vous pouvez être petits amis! Et pendant qu'Aaron est en train de passer, qui c'est qui veut bien prêter son lit? Allez, papa et maman, ils vont bien prêter le lit à Gaspard! Parce que c'est devenu un homme! Depuis le temps qu'il avait des vues sur Axel! Ça va pouvoir se concrétiser tout ça. Pendant ce temps-là, Matisse fait des conneries, hein, et il est embarrassé. Ça va, Anaïs, t'es aux premières loges, tout se passe bien. Oh 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 oh, Gasparoun devient un homme. Conversation insipide, mais quel bonheur. Tu vas réussir à la draguer ou comment ça se passe là? Oh, ça passe quand même, hein. Ça passe quand même pour Matisse. Allez, une petite blague pour détendre l'atmosphère. En amour, tu peux essayer de l'enlacer. Ouh, le rapprochement, ça a marché. Wait, what? Ça fonctionne en purée. J'y croyais pas. Oh là là, ça en fait 3 sur 4 casés dans le même épisode. Mais c'est merveilleux. Oh, je suis trop contente. Il restera plus que Aaron à caser. Et je serai tranquille, Émile, je pourrai dormir sur mes 4 oreilles. C'est beau ça, Matisse, je suis fière de toi. Ça fut galère, mais c'est fait. C'est faire crac-crac avec Léa dans le placard. Va montrer à toute ta famille que toi aussi, tu es capable de faire des cochonneries. Oh, maman, elle a pas l'air contente. Non, elle est surprise. Elle s'est dit, ah, mais je pensais qu'il se serait tapé un robot, quand même. Allez, Matisse, amuse-toi bien. Et Gaspard qui regarde. Oh les coquins. On vous a vu les amoureux. Allez, tu vas lui offrir une rose parce que quand même, elle le vaut bien. Et si vous pouvez devenir petits amis, ce serait officiel. Et quel bonheur quoi. Et c'est un oui. Ça y est, Matisse est casé. Allez, on est vite retourné à nos petites habitudes avec Matisse. Continue ses créations de mécanismes et de puffs informatiques. J'espère que d'ici le prochain épisode, on aura de quoi faire un cerveau parce qu'il nous en manque quand même pas mal. On est à la moitié seulement. Pendant que les brothers, ils se font un petit ping-pong en même temps dehors, il pleut, il fait moche. Pourquoi pas? Et c'est Aaron qui a gagné 3 à 2. GG Aaron! Vous faites un peu peur à la regarder d'aussi près quand même. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas là pour renifler son haleine non plus. Hein. Juste là pour l'observer quand elle chante.
Allez, mes petits amoureux, vous ferez pas un petit crac-crac, Hein? hein, parce qu'ils étaient partis se coucher comme des vieux. Bon, on a commencé la journée avec un crac-crac, on va la finir avec un crac-crac, ça me paraît bien, C'est ça. Simba. Voilà, profitez de votre nouvelle jeunesse. Et ben voilà votre petit crac-crac. Ouh là 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 là, ça se passe bien. Ah ben bravo, Matisse, t'as tout cassé. Dans ce cas-là, en plus, ils sont de sortie, nos chers fantômes. Oh, tu peux le réparer, s'il te plaît, rapidement. Parce que je pense que Hélène étant là et étant en colère, elle va tout nous casser cette Simba. nuit. Ouais, tu vois, tu vois des fantômes, tu parles avec, ça te surprend pas. Bon, en même temps, c'est le futur, hein, on sait pas, hein, d'ici là, on aura peut-être une vraie épreuve. Ok, super, tu vas m'activer le Robax, s'il te plaît, et puis tu pourras aller te pioter. Parce que là, mamie, elle vient de casser la... Voilà, enfin, bon, bref. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Allez, le robot est parti réparer et Matisse est parti se coucher. Moi, c'est ici que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. On arrive vraiment sur la fin du Decades. Je pense que j'arrêterai très prochainement. Voilà, il faut bien terminer à un moment donné. Moi, je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à mettre un com, un like comme d'habitude. Ça aide beaucoup ma chaîne à être vue, à partager également. Ça, c'est vous qui allez vous mettre au boulot, etc. etc. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!